Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment redescendre une Peugeot 106 avec un cric, une fois qu'elle a été levée. Donc les outils qu'on va avoir besoin, c'est uniquement un cric en fait, hein, parce que la voiture est déjà levée, donc il n'y a plus qu'à la descendre. Et donc du coup au préalable, il faut bien regarder qu'on n'ait rien laissé sous la voiture, donc des fois on laisse des bagues par exemple si on a fait une vidange ou quoi que ce soit, ou même des supports qui permettent de maintenir la ligne d'échappement ou des petites choses comme ça. Donc bien vérifier qu'on n'a rien laissé sous la voiture et on la redescend tranquillement. Donc moi j'ai un cric hydraulique, j'ai juste à dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre la vis hydraulique pour faire en sorte de descendre le cric. Mais dans le cas avec un cric manuel, il faut juste tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la voiture redescend tranquillement. Donc une fois que le cric est descendu à fond, on pousse avec les doigts pour le faire descendre encore un peu plus et retirer le cric sans abîmer les pare-chocs et voilà.